Et c'est tout le monde, sur le... je vais bien, on se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 13 de Black Mesa Source, intitulé Forget About Freeman. Donc, on rappelle, dans le dernier épisode, les militaires... Ah, les caps. Juste dernier, le... Ok. Alors, dans le dernier épisode, on avait remarqué que les militaires n'étaient pas... très amicaux, et que, oui ça on l'a remarqué depuis longtemps, mais que les militaires ont abandonné Black Mesa. C'est-à-dire qu'ils vont bombarder, ils vont détruire Black Mesa, et on oublie Freeman, l'important c'est de détruire ce complexe avant que les aliens ne se répandent. Donc notre rôle va être de se dépêcher avant de finir écrasé. Ah merde, excusez-moi. Nouveau record, chers amis, 5 secondes et on se fait déjà emmerder par un coup de téléphone, c'est un nouveau record. Bon, continuons. Ok, donc. Putain, cette bestiole me fait flipper. Si vous avez une idée de qu'est-ce que c'est que ce truc, je suis preneur. C'est pas un leurre par hasard, je sais pas. Ouais, c'est... Ah, mange. Tiens. Ce n'est visiblement pas un leurre. C'est un chaos. C'est un chaos. Voilà, je guess des balles. Oh, un Gundalum. Ah, ça commence bien là. Gundalum, Gundalum. Gundalum. Tac, 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 tac. Oh, des Gundalum. Gundalum. J'ai raté. Gundalum. C'est le défoncer. Non. Ok, c'est bon, il a survécu. T'as survécu? T'as survécu. C'est juste du verre, c'est juste du verre, t'inquiète pas, c'est superficiel. Cassons toutes les caisses et... Donc le but là, chers amis, c'est de foutre le camp. Se barrer et ne plus jamais revenir. That was awkward. Brise-moi ça. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle merde est-ce que c'est cette merde? Je sais pas, je... Tiens. Oh! Ah! Défonce-la, défonce-la! Non! Le tuez pas! Qu'est-ce que c'est? Survécu. J'espère que t'as survécu. Vraiment, t'as... Visiblement, tu as survécu. Écoutez, on va rester un petit peu avec ça. Pza! 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 Restons un peu avec de la... De l'artillerie lourde, si je puis me permettre, de cette expression. Parce que oui, j'ai bien envie de jouer un petit peu avec ce jouet-là. Bam! Ah, d'accord, il s'entretue! Bam. Écoutez, on va se la jouer mode alien. KO. Qui tu es, toi? Boum! Écoutez, là, c'est la fin du jeu. J'ai vraiment pas l'intention de gâcher... Enfin, de gâcher... Bah si. Wouah! 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 La trampoline, c'est trop bien! Est-ce que ça marche? Wouah! Wouah! Je veux le même truc chez moi. Wouah! Bon bah, là, l'objectif, c'est plus de conserver des balles en espérant un boss. Non non les mecs, on est au dernier chapitre du jeu. Enfin le prochain boss il sera dans... Il est pas là. Le prochain boss il est sur dans le dernier chapitre du jeu. Et pendant les crédits, je vous inviterai lors du prochain épisode, enfin du prochain chapitre, je vous inviterai à laisser... J'ai une nouvelle arme. Non. C'est quoi ça en fait? C'est une nouvelle arme ou quoi? Donc oui, pendant les crédits, je vous inviterai à garder la vidéo, à laisser la vidéo allumée, pour une raison relativement simple, qui est que je vous expliquerai en fait comment se passe la fin de Half-Life et le débouché vers Half-Life 2. Parce que en fait, pris comme ça, si on n'y prête pas trop attention, je crois qu'il y a un ascenseur. Attends. Pris comme ça.
pris comme ça en fait, indépendamment, Half-Life 1 et Half-Life 2, si vous jouez d'abord au 1 puis au 2 directement d'un coup, ce sera pas... Comment dire, ce ne sera pas... vous ne comprendrez pas grand-chose à ce qui se passe. Il y a un débouché qui se fait entre les deux, par le biais donc des deux DLC de Half-Life 1, mais aussi par le biais de pas mal de... pas mal de d'articles sur Wiki, trucs comme ça, qui ont été démontrés, donnés par Valve même, qui sont donc au courant de ce qu'ils font et ok, ce n'était pas ça qu'il fallait faire visiblement. Je ne sais donc pas du tout ce qu'il faut faire. Et le jeu va cra... Ah non, j'ai peur. Faut pas monter là-haut, pardon? Ah, c'est bien ça, je crois. Y a rien d'autre? Vraiment rien d'autre? Bon bah écoute, on va reprendre ce chemin. Ah oui, il y avait une deuxième porte, je suis con. Il y avait une deuxième porte, alors on prend-on cette deuxième porte. Voilà, ça va. Écoutez, allons par là. Hop! Hop, 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 hop. Ne touche pas! Tiens, tiens, tiens. On gère, on gère. Oh! On y arrive, mes amis. Lambda corps, lambda complexe. Alors, déjà, on va faire une petite explication. Ce symbole-là, c'est le symbole de Half-Life. Mais pourquoi? C'est aussi une lambda, donc on l'utilise en physique pour, par exemple, les longueurs d'onde dans les spectres de lumière. Ce n'est pas que ça. Le signe lambda est utilisé ici pour un symbole, déjà, d'un laboratoire. Mais pourquoi est-ce qu'il est le symbole de la rébellion dans Half-Life 2? Dans Half-Life 2, une rébellion se forme autour d'une politique appelée le cartel, ou les combine en anglais. Et pourquoi ce symbole? Meurs. Eh bien, en fait, ce symbole est le symbole de la rébellion. Et pourquoi cette rébellion? Parce que dans Half-Life 1, la rébellion contre les aliens commence et se termine dans le Lambda Corps, dans le Lambda Complexe. Et c'est donc cette même rébellion anti-alien qui donna son nom, qui donna son symbole à la rébellion de Half-Life 2. J'ai eu peur. Vous pouvez pas savoir à quel point c'est flippant ce qui se passe dehors en fait. Hop, bon, on va prendre mon BT. Kaboum! Bon bah. Voilà, on s'en met pas. Les munitions, je vous ai dit, on en a plus rien à péter. Voilà. Y en a marre. Y en a marre. Je tue tout le monde. Sauf les scientifiques bien entendu, parce qu'on est gentil. On s'appelle Freeman. Non pas qu'on est Morgan, mais on est Gordon. Gordon est mieux que Morgan. Pour une raison qui m'échappe. N'empêche, on s'approche rapidement de la fin du jeu. On s'approche même très rapidement de la fin du jeu. Hein. Personnellement, j'ai pas. Ce let's play est passé. Ah les lags. Ce let's play est passé assez rapidement. Hein, j'ai été assez impressionné quand j'ai vu la vitesse à laquelle j'enchaînais les épisodes. J'ai eu quelques petits problèmes, hein, notamment ces magnifiques coups de téléphone qui nous embêtaient chaque chapitre. D'accord, faut pas passer. Là on peut passer. Is, on est passé. Et comment on monte là du coup? Ok, on monte comme ça. Je pense. Meurs, meurs, meurs. Ah, bien, c'est cool. Sauf qu'il n'y a pas l'armure qui va avec. Ah ah, il était caché. Il était caché derrière, je le savais. En chargeant. Bien, on va pouvoir se recharger avec pas mal d'armure. Là, on est full. On est full, et c'est cool. Au passage, je sais que... Au moment où vous verrez cet épisode, ce sera sûrement passé. Oui, ce sera sûrement passé d'ailleurs, parce que nous c'est dans 2 jours. C'est après-demain. Je vous souhaite un joyeux Noël et une nouvelle année. Et une joyeuse nouvelle année à tous ceux qui le veulent. Joyeuse année 2014. Hein. Pour moi, c'est un petit peu
un tout petit peu une semaine en avance. Non. Pff. Il a pas enlevé beaucoup de points. Comment facile? C'est chier. Désolé, hein. Désolé de pas avoir remarqué qu'on est en facile, les amis. La vie, toujours bien. Un petit peu de vie, un petit peu de santé. Montons l'échelle. Toujours. Toujours plus de cartouches. Qu'est-ce qu'on a ici? Hein? Accéder. Non, on va faire descendre du coup. Tac, 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 tac. Donc j'imagine que ça doit être par là. La serrure, donc on peut le faire. Ouais. Montons donc. On est à la surface. Et on a un temps de chargement. Donc là, actuellement, les militaires devraient fuir. Donc, on devrait plus trop en rencontrer, normalement. Ils vont fuir le complexe d'après l'ordre stipulé lors de la toute fin du dernier épisode qui annonçait le nouveau chapitre. Oh là. Oh là, c'est la guerre. C'est la grosse guerre là. Écoutez, prenons tout ce qu'on peut trouver. Prenons tout ce qu'on peut trouver là-dedans. Qu'est-ce qu'on a? Oh la vache, le pauvre. Il a morflé. Des grunts. Y'a rien ici. Bon. Écoutez. Partons vers de nouvelles aventures, sûrement nos dernières aventures. Ok, alors qu'est-ce qui se passe ici? Ok, c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est pas ça qu'il fallait faire, je sais pas où ils sont. Écoutez, là, je... Voilà. Oh la vache! Oh le tank! Ah le tank! Ok. Donc l'objectif. L'objectif, l'objectif. Là-dedans, il n'y a rien du tout. Par contre, ça m'intéresse. Alors l'objectif, mes chers amis. Bourrinage! Écoutez, hein, on va... Ils vont s'arrêter ici. Non. Si je recharge, ça va être compliqué. Je me lève. Il n'y en a visiblement plus. À part lui. Wow. Ok, on faut faire vraiment très très attention au tank. Ok, ça va être compliqué là. Le fusil à pompe est réellement une arme pratique. Vous apprendrez, vous le savez dès maintenant, que c'est vraiment une arme très pratique. J'attends ici, hein, je sais qu'ils vont venir. Voilà, comme ceci. Vas-y, viens. Ça va être très très dur là. Wouah! Ah oui, d'accord, il défonce vraiment tout en fait le tank. Ok. Il faut qu'on trouve quelque chose d'autre. Un autre moyen. Voilà, je sauvegarde. Il faut qu'on trouve un autre moyen. Un autre moyen, un autre moyen. Comment, comment? Mais tu vas mourir? Oh la vache! C'est bon, j'en ai marre. Je suis désolé les gars, je mets le jeu en facile définitivement. Définitivement, je le mets en facile. Parce que honnêtement, vous avez vraiment pas vu
les images de Half-Life 1, parce que là l'IA des ennemis est vraiment trop abusée comparé à Half-Life 1. Dans Half-Life 1, honnêtement, les ennemis, c'est pas des tanches, mais c'était pas des aimbots non plus. Faut arrêter. Voilà. Dans Half-Life 1, les ennemis, c'était pas des locks incapables de viser, mais c'était pas des teubés non plus, c'était pas des aimbots non plus, donc faut arrêter. Ce que je voudrais, c'est qu'ils aient la capacité de viser maintenant, mais avec la vie de quand on est en normal, parce que là pour le coup, oui, c'est vraiment trop facile. Mais vous imaginez, en plus, ce genre difficile, c'est impossible tout simplement. J'applaudis la personne qui a fini le jeu en difficile. J'applaudis encore, j'acclame la personne qui a fini le jeu en difficile avec la crowbar. Mais bon. Vous savez ce qu'on dit. Ah! Meurs. Bonjour. Du coup, j'ai horreur des insectes, hein. Putain, ils me font peur. J'ai horreur des insectes, hein, sachez-le. Qu'est-ce que tu cachais, toi, ici? Tu cachais rien? Non, je te crois pas. Cachais quelque chose. Cachais quelque chose. Des balles, des munitions, de l'armure, de la vie, quelque chose. Il était obligé de cacher quelque chose. Il ne cachait rien, visiblement. Ok. Donc, un petit coude. Bon, bah, descendons, écoutez. Où allons-nous arriver, je ne sais pas. Dans une zone à produits toxiques. Oh oui. Ok. 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 Non. Aïe. En plus ça bouffe. Aïe, c'est corrosif, je crois. Ah. Mission. Ça s'active pas, ça. Ah, j'ai horreur de ce grain en plus de l'écran. Calmez-vous s'il vous plaît les amis. J'ai été surpris. Le tonneau il m'a arrivé dessus, il m'est arrivé dessus, j'ai senti comme un devoir de lui tirer dessus. C'est lui qui m'a agressé, vous êtes témoin. Vous êtes témoin, c'est lui qui m'a roulé dessus. Meurs. Quoi? Merde. Qu'est-ce que tu fais à toi? Ok. On charge, voilà. YOLO. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Un grunt. Tac, 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 tac. Fuyez, fuyez. Fuyez, je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. Vite, vite, vite. Oh merde. Il m'a surpris, la souris a bougé toute seule. Je ne crois pas. J'ai raté à cette distance.